Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre votre programme avec un guitariste et compositeur que vous avez souhaité entendre et comme guitariste et comme compositeur, d'une part dans l'œuvre de quelqu'un d'autre et d'autre part dans une œuvre de lui-même. Alors, c'est Rolandien, ce que les téléspectateurs de Revenez quand vous voulez connaissent bien et qui a l'extrême courtoisie de commencer par les compositions de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par Villa-Lobos. Rolandien. Thank you.
Roland Diez, le premier prélude d'Aitor Villa-Lobos, ça va me donner l'occasion de vous faire mon premier cadeau. Cet enregistrement de Villa-Lobos qu'a fait Roland Diez. Vous savez, moi j'adore la guitare, alors c'est vraiment un cadeau. Parce que je trouve que c'est l'instrument le plus sensuel qui existe. Moi quand j'entends de la guitare, ça me fait des bulles à l'intérieur. Ça vous balance sur des grands élastiques comme ça, c'est vigoureux, c'est caressant. C'est méchant et gentil à la fois, c'est un instrument amoureux. Et là, il y a une deuxième œuvre pour guitare que vous vouliez entendre, elle est de Roland Diez. Oui. Saudade. Saudade, ce qui veut dire en brésilien tristesse, mélancolie, et que Roland Diez a enregistré dans ce deuxième cadeau et qu'il va accompagner au vibraphone par Michel Theriou, nous jouer à l'instant même. Thank you.
Michel Theriault, Michel Theriault au vibraphone, Roland Diens à la guitare, dans une composition donc de Roland Diens, Saudade, avec un point d'ironie à la fin de la tristesse. S'il a fait exprès de faire l'allegretto pour moi, le prestissimo, alors là, vraiment, c'est pas chic. Mais de toute façon, le Saudade, ça suffit déjà. Seulement, Saudade, vous voyez, c'est un peu pour les Mexicains ce qu'est le blues pour les... Pour les Brésiliens, oui. Ouais. Pour les Brésiliens, ouais. Pardon, ce qu'est le blues pour les Américains, ouais. Mais un blues ensoleillé. Oui, oui, oui. C'est toute la différence. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que Roland Diens s'est terminé comme ça. France, nous nous retrouvons après la traditionnelle. Nous retrouverons tout à l'heure Roland Récital à la galerie de Nel. C'est un exploit. La guitare plurielle, il nous présentera la guitare un peu dans toute sa coloration. Pour nous aujourd'hui, un choros, un extrait du choros d'Heitor Villa-Lobos. Je vous demande de retrouver Roland Diens.